Alléluia. Alléluia. Fais amour briller pour tout le monde. Car ouais, non, c'est you. None. Yes. Fais amour briller pour tout le monde. Yahweh, non, c'est you. Nous allons dans Ruth chapitre 1, verset 7. Nous allons à 18. Ruth chapitre 1, verset 7 à 18. En nous toutes les ensemble, 7 à 18. OK. Elle en sortit, donc là, elle a parlé de Naomi. En nous toutes les ensemble, elle en sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses deux belles filles, « Allez, retournez chacune dans la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous. Comme vous l'avez fait envers moi et ceux qui sont morts, que l'Éternel vous fasse trouver chacune du repos dans la maison de Marie. » Et elle les baisa, et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de Dieu s'est étendue contre moi. » Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Alors Orpa baisa sa mère, belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser ou de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidé à aller avec elle, c'est ça, ses instances. Que bon Dieu bénisse verset ça eu pour édification d'homme chacun de nous. En bas, bon Dieu, on peut l'applaudir, mon capable chita. Alléluia. Mon capable chita. Levez-moi à l'aide, dis-moi la famille. Alléluia, dis-moi la famille. Garde le monde qui se côté, dit ou la famille en tout. Alléluia. Chachon troisième monde dit nous dans famille ensemble. Alléluia. Nous dans famille ensemble. Au nom de Jésus. Nous encourager donc utiliser hashtag ça sur les réseaux sociaux. Moi dans famille. Nous voulons prendre ça pour nous saluer toutes les amies qui sont en ligne. Bye bon Dieu, un bel applaudissement pour toutes les amies qui sont sur YouTube.
dans quelque soit page qu'on a regardé, de nous saluer ou dans le nom de Jésus, ou même qui sur YouTube, on a remarqué lien. Premièrement, si vous pouvez abonner à page noire, eh bien cliquez lien, cliquez ici bouton rouge qui est en bas page là qui marque abonner. Donc vous capable subscribe ou capable abonner. Deuxième bagaille, nous encourageons à partager lien à soya à jodia avec vos amis si ou pouvez faire ça. Troisième bagaille, nous encourageons à partager enseignement ça yo avec autant de amis que possible. Nous croyons que enseignement ça là les capable faire un changement dans mentalité en pile famille. Les capables faire un changement, il doit faire un changement, il a fait un changement dans la mentalité de l'Église, nous, et il a fait un changement dans la mentalité peuple, nous, au nom de Jésus. Alléluia. Donc, chers amis, nous avons étudié depuis le commencement de l'année, nous avons parlé d'une famille royale, n'est-ce pas? Nous avons parlé d'une famille royale, comment ou former. Comment nous capables de venir en famille royale. Nous t'ai parlé du rôle du père dans la famille, nous parlé rôle de la mère dans la famille, nous parlé rôle des fils, et Kounian a parlé de comment nous besoin traiter une l'autre pour nous capables vivre comme une famille. Qui ça nous besoin fait pour nous vivre comme frères et sœurs dans une famille? Ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est ça que fait nous gagner. C'est Rissa là que nous avons fait. Comment nous sommes capables de bâtir des liens fraternels entre nous? Qu'il y a un pile d'instructions dans la Bible par rapport à ça. Je te dis un bagage qui est important. Le Jésus-Christ est mort à la croix. Il y a une raison qui fait croire que tu as deux barres. Il y a une barre horizontale qui unit l'homme avec Dieu. Il y a une barre, pardon, verticale. Qui unit l'homme avec Dieu. Et il te gagne en bas horizontal, qui unit les hommes avec les hommes. L'évangile, ce n'est pas une question de relation moi-même avec bon Dieu. C'est une question de relation moi-même avec bon Dieu d'abord, et puis immédiatement après, relation moi-même avec l'autre monde. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et immédiatement après ça, ton prochain. Comme toi-même. Donc cela veut dire si on moun reme bon Dieu, li pa reme moun, ça veut dire li gen moitié quoi. Ça veut dire gon œuvre de la croix, 50% de l'œuvre de la croix pas applicable dans la vie. Si on moun reme bon Dieu, li pa reme moun, c'est qu'à coup 50% de l'œuvre de la croix pas applicable dans la vie. Donc si c'est aux États-Unis où yé, ou fait 50%, ça veut dire déjà échoué déjà. Donc, ou pas qu'à, nous pas qu'à contenter nous pour nous seulement aimer bon Dieu, nous besoin aimer une l'autre. Nous pas qu'à contenter nous seulement pour nous connecter avec bon Dieu, nous besoin connecter l'une avec l'autre. Donc, c'est ça que fait dans la Bible, où on paquette versets bibliques qui parlent nous de relationner l'une avec l'autre. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, instruisez-vous les uns les autres, soumettez-vous les uns aux autres, et soyez patients les uns envers les autres. Priez pour les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Confessez vos péchés les uns les autres, etc., etc., etc. Donc, tout côté, on va regarder dans la Bible, les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres. Ça veut dire l'évangile pas fait sans l'autre monde. Gon nouvelle tendance ces jours-ci, ça veut dire m'ka fait l'évangile en de la caille moins pour compte moins, m'ka fait l'évangile devant ordinateur. Non, l'évangile fait avec l'autre monde. Donc ou même pour compte moi même ces relations personnellement avec mon Dieu. Donc nous pas connait côté ça y est, côté ça sorti. La Bible dit comme ça, Jésus-Christ c'est un corps. L'œil on accepter Jésus ou accepter pour Jésus vini chef la vie. Et comment la Bible présente Jésus, il est la tête, mais il est la tête du corps. L'on converti, ça veut dire ou d'accord fait partie de yon corps. Est-ce que vous entendez ça, m'a dit, hein? L'on converti, ou ça veut dire d'accord fait partie de yon corps. Est-ce que vous avez même? Jésus, c'est tête là. Moi-même, m'ka souci, m'ka jé, m'ka mè, m'ka pi, m'ka kon zamié. Mais nan corps là. Si ou pas nan corps là, Jésus pas tête ou. Oh là là.
Soyons sérieux. Sous pas dans le corps là, Jésus, pas tête ou sous prend bout de main, ou voyez le jeter. Est-ce qu'on a dit tête là, c'est tête bout de main que vous voyez jeter? Il n'est pas tête là encore. Si vous ne faites pas partie du corps, dont Jésus n'est pas votre tête. Donc, ça sont réalités importantes parce que gon l'évangile très individuel ou bien très individualiste ces jours-ci, c'est moi-même avec Jésus seulement, je m'en fous de tout le monde. Je m'en fous des autres. Je m'en fous de l'église. Je m'en fous de Saint-Tel. Moi-même, j'étais là quand m'a prié puis j'ai une relation avec Dieu. Où si vous prenez le ciel comme ça? Où si vous prenez le ciel comme ça? Double check that. Double check that. Parce que l'évangile, la Bible, là, il est fait avec l'autre monde. Est-ce qu'on voit une lettre dans la Bible? Est-ce qu'on voit une lettre dans la Bible qui écrit avec un monde individu pour lui seulement? Suivez ça. Toute la Bible. L'épître aux Corinthiens. L'épître aux Éphésiens. Même l'épître qui écrit l'épître à Timothée, qui écrit à un individu, c'est Paul qui a écrit à Timothée comment pour gérer l'église. L'épître à Tite, comment pour gérer l'église. Même Philémon, c'est peut-être l'être qui puis individuel, mais l'a montré comment pour vivre avec frère qui vient esclave qu'on y a, pour le traiter comme un frère. Pas qu'on l'être qui écrit dans la Bible, moi-même seulement m'a prié, puis moi-même bral dans le ciel sans l'autre monde. Pas qu'un côté ça écrit dans la Bible. Donc, qu'on l'évangile individualiste, moi-même avec bon Dieu, ça m'a pas besoin de l'autre monde. Ça m'a pas besoin de l'autre monde. Parce que, laissez-moi même avec bon Dieu invisible. ou qu'apprend ou libre. Mais l'on vit avec frère à soeur, l'on force au grandi. Et elle force au grandi. Si c'est ou même avec Jésus seulement dans chamou, ou pas jamais besoin de pardonner personne. Qui est-ce que vous pardonnez? Vous ne pardonnez Jésus? Qui m'a pas pardonné? L'or était en dans chambre la caillou, m'a pardonné Jésus. Ou pas pardonné Jésus? Qui m'a pas pardonné? Ou pas pardonné? Verset dans la Bible, ou pas jamais qu'à mettre en pratique, pardonne en chambre avec Jésus. Hein? Côté, supportez-vous les uns, ou pas supporter Jésus? Et hein? Soyez patients les uns vers les autres, ou pas patient pour Jésus? Priez les uns pour les autres, ou pas prier pour Jésus? Ou pas prier pour Jésus? Donc ça veut dire, aussi longtemps c'est ou même homme de la caillou, gon paquet parti dans l'évangile là ou pas jamais qu'à mettre en pratique. L'évangile li fait en famille. L'évangile fait en communauté. L'évangile fait avec l'autre monde. Est-ce que ça va? Et c'est ça n'a pas prendre dans le livre de Ruth. Donc l'on a vivre en communauté, nous t'ai commencé à apprendre la semaine dernière. L'on a vivre en communauté, l'on a vivre en famille. Ou gagnons responsabilité. Et nous te voyons un homme qui te relé Elimelech, il était à Bethléem. Bon Dieu te béni la Bethléem. Il avait une responsabilité. Et puis voilà que yon famine plongée sous Bethléem. Et puis la Bible dit au milieu de la famine, monsieur Vini, il prend madame ni, il prend petite li, il levé, il aller et puis quitter tout le monde dans Gango. Et me raconte une histoire là, le monsieur rivé, non seulement lui-même li mouri, petit li mouri, etc. Semaine dernière, m'explique, c'était un grand péché que le te commettre aux yeux de Dieu. Parce que m'explique, la Bible te dit clairement, soit marcher dans la rue, et pour un bourg frère tomber, et puis le pas qu'à lever. La Bible dit, même si c'est ennemi ou, même s'il pas de jambe à l'avant, même s'il te voulait tout yon, c'est pour aider. Soit marcher dans la rue ou est frère ou gain besoin, même si c'est ton ennemi, nous te gardons verset, faut aider. Parce que même si c'est ennemi ou gain doit parer, mais lui-même dit parer, mais nous style dans la même famille. Est-ce que nous avons même? Et conséquemment, ou gon responsabilité. Ou gon responsabilité pour nous aider l'un l'autre. Donc, quand nous bralvin gade, le Naomi rendit compte, Marie mourit. Premier petit mourit, premièrement, il a perdu toute richesse. Li. Deuxièmement, Marie mourit. Troisièmement, premier petit garçon mourit. Deuxième petit garçon mourit. Finalement, Naomi dit, m'a retourné à la caille. M'a retourné à Bethléem. Il rend compte qu'il font erreur. Maintenant, l'œil décide pour le retourner à la caille. Ruth vient trouver le nom dilemme. Ruth dit, m'braler avec Naomi. D'une part, il voulait aller avec Naomi. D'autre part, il est difficile pour lui.
si là les livré aller à Naomi parce que Naomi grand monde songe le pas gain mari, il pas gain petite libre à retourner à Bethléem, il fait 10 ans dehors, il t'a quitté Bethléem dans mauvaise condition, pas gain monde qui pas connaît, pas chasser le sorti. Donc faut gain un monde qui pour aider et route libre à faire son route qui longue. Donc faut gain un monde qui pour aider, mais en même temps il connaît s'il aller en Israël futur li gâché. Probablement le pape jamais marié, probablement le pape jamais joué dans le travail, probablement le pape fait toute reste ville à vivre dans basse classe société, probablement comme esclave ou bien peut-être même comme prostituée. Ça veut dire pas bon avenir en Israël. Donc d'une part, dans son amour pour Naomi, elle veut partir avec elle pour l'aider, mais d'autre part, partir avec Naomi signifie compromettre l'avenir. Il réfléchit. Et puis finalement, il dit m'braler avec Naomi. Plus tard, on va comprendre pour qui ça a décidé d'aller avec Naomi. Gan pile bagay. Mais il a décidé pour aller avec Naomi. Donc, m'taremon wè, yon moment, Naomi qui fait longtemps à vivre dans le quartier, Naomi qui fait longtemps à vivre dans le voisinage là, l'œil prend décision pour aller, qu'on y a mamzel. Parce que son jeune Naomi était fin perdu toute ça, il était possédé, tout petit l'argent le finalé, bourrique il était gagné, cheval il était gagné, presque plus forade, il était quand t'as fin bayol en plane, il n'y a pas de moyen pour le prendre. Donc, quand il y a Naomi, il y a un petit sac sous dol qui a deux, trois barailles, et puis il mette sous dol, et puis il brale. Donc, Naomi a dit tout le monde, au revoir, c'est ton plaisir pour nous habiter dans le quartier pendant 10 ans dans la zone. Nous vivons bien avec, nous gentils avec, etc. Donc, lui a remercié tout le monde. Donc, le Naomi décidé pour aller, comme nous dit Ruth, eh bien, dit, prend décision tout, il dit, moi-même, moi, pour aller. On parle même qui est Ruth, prend décision pour aller. Ah, il dit, moi-même, pas prêté derrière, papa, moi, aller tout. Donc, m'karemon, après, trois mesdames, ça, yo, kap dit, tout le monde, baba, et dans le quartier, et puis, yo, prend route, là, y a marché. C'était une belle distance de Moab à Israël, c'est plusieurs jours de marche. Pendant jour que y a marché ensemble, y a remémoré ensemble bon temps que y ont été passé en tant que famille, bon temps que y ont passé, le y ont été dans le salon, y ont baillé blague avec les malchons qu'ils jontaient en vie. Donc Ruth a parlé comment Malchon était un bon mari pour lui. Orpa a parlé comment Kiljon c'est ton équité charmant. Donc il a parlé, il a revivre les anciens jours que ça fait longtemps qu'elle est bien en parlé. Et bien c'est pendant il a parlé, yo gant arrivé Bordeaux, hein, parce que t'es gagné le Jourdain, il t'est séparé Moab et Israël. Donc qu'on y a Naomi arrivé Bordeaux. Bon, Naomi dit mesdames, merci pour vous libla. Merci pour vous, Libla. Nous connaissons parce que j'ai quelques nous qui sont en Haïti, les gens viennent visiter, les gens ne aller pas juste quitter, les gens aller comme ça, ou bien les gens sont libres. Donc, pour Naomi, comprend que mesdames, ils viennent vous libre, mais nous arrivons juste bonjour avec. Donc, Lidio, merci. Lidio, merci parce que nous travaillons avec pendant longtemps. La Bible dit, donc l'an verset 8, Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner, n'est-ce pas, elle dit, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Et puis il dit que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers moi, et envers ceux qui sont morts, et envers moi. Donc cela veut dire, donc yogon mémoire, yogon respect. Même mari yo qui mourit, même après la mort de leur mari, yo toujours gagnon respect. Pour Naomi. Donc Naomi dit mesdames, yo merci beaucoup. Ou qu'on est pendant très longtemps nous rété avec nous marier ensemble ou suivre moins. Le mari nous fin mourir immédiatement, nous c'est deux jeunes filles, nous t'es qu'à aller chercher l'autre monde Moab nous marier et puis nous quitter pour compte moins.
Donc chaque l'an nous t'es qu'à prendre direction par nous, mais malgré Marie nous fin mourir, nous rester dans Kaila, Avem, etc. Donc il dit merci. Mais elle dit maintenant, qu'on est à moi décider pour mal dans le pays, moi pas vivre dans Moab encore. Donc pas aucune raison pour continuer à suivre moi. Donc il dit que chacun retourne à la maison de sa mère. Généralement la Bible a parlé de la Bible, la Bible parlait de la maison du père. Mais cette fois-ci, il parlait de la maison de la mère. Pour qui ça? Parce que c'était la responsabilité d'une mère pour y faire arrangement mariage pour petite fille. Donc là, il dit que chacune retourne à la maison de la mère. Cela veut dire retourner la caille nous pour nous préparer nous en mariage encore. Parce que la Bible dit une femme est liée à son mari aussi longtemps que le mari est vivant. Mais s'ils meurent, la Bible dit qu'ils ne sont plus liés dans ce cas-là. Donc, il dit comme ça, puisque petit garçon mieux fin mourir, ça veut dire que lié mariage n'a pas existé encore. Si lié mariage n'a pas existé, ça veut dire lié familial, moi-même avec nous, il n'a pas existé tout. Est-ce que nous comprenons ça qu'on dit là? Est-ce que nous comprenons ça qu'on dit? Nous t'es mariés, mais Marie nous tous les deux mourir. Si Marie nous tous les deux mourir, ça veut dire lié marital là pas existé. Et qui ça qui t'est uni moi-même avant comme famille? Eh bien, c'était mariage qui t'est fait notre famille. Nous t'es famille par alliance. Est-ce qu'on avait même? C'était mariage là qui t'est fait notre famille. Mais puisque mariage n'a pas là encore, donc techniquement, vous comprenez moi, nous pas famille encore. Donc, nous ou pas, on nous pas qu'à dire ou c'est belle même encore, nous c'est belle sœur. Donc, monsieur est mort. Donc, il dit que chaque monde retournait la caillou et elle refait la vie. Le Naomi dit causer ça. Eh bien, même moment, la Bible dit, mesdames, yo, tous les deux, levez voyo. Et puis, yo dit, Naomi, nous pas quitter, nous pas quitter, nous pas plaguer, nous pas virer d'eau, baou, etc. Et puis, Naomi, qu'on y a retourné, qu'on y a pour expliquer yo en détail. Naomi, redit comme ça, nous devons comprendre. Numéro un, Marie nous mourit. Ça veut dire, lien familial l'a brisé. Ça, c'est numéro un. Nous comprenons nous nice, mais fon réaliste. Nous comprenons nous nice, mais fon penser bien. Lien familial l'a existé. Pas aucune raison pour nous suivre moi jusqu'à Moab. Lien familial l'a existé, l'écrasé qu'on y a à faire famille avec yon l'autre monde. Et puis, il dit, deuxième bagaille, même si nous t'avons réétabli lien familial là, à travers yon mariage encore, nous t'arrêmé rétabli les familles à travers mariage. Li dit en nous sérieux. Li dit gardez qui l'âge moi gagné kounya. Li dit comme ça m'ga t'arrive en âge, li dit comme ça m'pa bwa jwenn yon moun pou m'ta marié. Li dit mesdames yo, même si m'ga nan la sa m'pa bwa jwenn yon moun pou marié, mais même si m'ta jwenn yon moun pou marié. En nous dit don miracle t'a fait jwenn yon moun pou marié et m'ta jwenn yon moun pou marié jodi a. Et moun nan non seulement joindre moi côté nous camper là moun nan wèm moun nan tombé d'amour moun nan mette bac mariage dans droite moi jodi a et puis nous marier après-midi a et puis nous fait lune de miel là à soir même si nous t'a fait la soir et puis m'ta tombé enceinte à soir est-ce que nous bra le temps de 20 ans 25 ans pour nous capable réussir gon mari encore mais finalement dit mesdames tête non pas bon. Cher, on pas gardé. On pas gardé Naomi, etc. Tous les deux, mesdames, yo pété crier. Et puis tous les deux, by Naomi, yon accolade. Excepté pour Orpa, c'était dernier accolade. L'été by Naomi. Après le film by accolade là, pendant Orpa by accolade là, l'été Naomi a raison. M'pas qu'à gaspiller la vie comme ça. Et puis, Orpa a décidé, la Bible dit, Orpa fin ba la colade là, et puis il vire l'aller. Orpa pas un mauvais monde. Nous besoin comprendre ça. Histoire, ça pas parler nous de, li pas parler nous de yon mauvaise belle-sœur avec yon bonne belle-sœur. C'est pas ça. Orpa font décision qui logique. Est-ce qu'on d'accord avec? Orpa prend décision qui logique. Marie mouri, pas de lien familial encore, li jeune, li normal, que le record. Pas de rien de mauvais que Orpa fait. Orpa fait ça qui est normal. C'est pas, l'histoire, ça, nous pas garder
ce n'est pas une mauvaise belle-sœur avec une bonne belle-sœur, c'est une belle-sœur ordinaire avec une belle-sœur extraordinaire. Est-ce que vous avez aimé? La différence, ce n'est pas entre bonne et mauvaise, mais c'est l'ordinaire et l'extraordinaire. Donc, pas pour une décision, c'est une décision normale. Mais c'est décision normale qui bral, que le prend, qui bral faut comprendre comment décision ouit là lui-même, lui bral une décision extraordinaire. Oh pas by Naomi yon accolade. Li crié et puis il séché de dans yeux et puis il viré pour aller chercher la vie à quelque part d'autre. Mais la Bible dit mais oui s'attacha. Gardez dans verset, la Bible dit, elle élevèrent la voix et pleurèrent. Orba baisa sa belle-sœur, mais Ruth s'attacha à elle. Elle s'attacha à elle. En d'autres termes, elle prend une décision pour rester attachée. Maintenant, nous devons comprendre ce qu'elle dit là. Elle dit, elle s'attacha à elle. Le mot attaché ici, c'est le mot davak en hébreu qui décrit la loyauté, l'amour, l'affection qui prend deux étrangers. Gon amour que yon moun capable de gagner. Gon affection que yon moun capable de gagner. Gon loyauté qu'on capable de développer qui prend deux étrangers et puis le fait yon tourner famille. Est-ce qu'on avait même? Gon dimension d'amour. Gon dimension d'affection, gon dimension de loyauté, qui prend deux moun ensemble qui étranger et puis il unio et puis il fait yo tourner famille. Est-ce que n'avait même? C'est amour ça, loyauté ça, affection ça qui manifestait dans le mariage. L'elle dit comme ça et elle s'attacha à Ruth. Qui ça le fait songer? Il faut songer Genèse chapitre 2, verset 24. Lorsqu'il dit qu'on s'appuie, il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire le mot attaché ici, il dénotait la plus haute, le plus haut degré de loyauté, le plus haut degré d'affection. Le plus haut degré d'amour. Elle s'attacha, Ruth s'attacha à Naomi. Est-ce que l'avait même? Est-ce que l'avait même? Même temps, on comprend là, c'est un choix que mamzelle fait. C'est un choix que mamzelle fait. Suivez-moi bien. Naomi dit Ruth, pas de raison pour suivre moi encore. Parce que avant, nous t'ayons connexion, nous t'ayons connexion de sang. Moi-même avec, en quelque sorte, nous t'es unis par le sang. Ça fait nous t'es unis par le sang parce que où t'es marié avec petit garçon, nous chaque t'es marié avec une petite garçon. Yo, oh pas où t'es marié un petit garçon, oui où t'es marié un petit garçon et petit garçon ça c'est sang. Et comme où t'es marié avec, en quelque sorte t'es une relation de sang entre nous-mêmes. À travers mariage, ça, t'es une relation de sang. Mais moun qui te somme, malchon. Moun qui te somme, kiljon. Deux petits garçons, ça, qui te somme, yo mouri. Ça veut dire, relation de sang qui te connecté nous, hein, li pas existé encore. Ça te fait nous famille, là. Somme qui t'a vivre dans kaye, là. Somme où t'es marié avec, là. Yo, tous les deux monsieur, ça, yo mouri. Ça veut dire nous pas connectés encore. Mais la Bible dit comme ça que Ruth lui-même, lui prend décision pour attacher à Naomi. Même Jean yon homme, lui attacher avec yon femme, même Jean yon femme attacher avec yon homme. Ça veut dire quoi? Gen deux gens moun ka famille. Ou ka famille par sang, par le sang, ou bien ou ka famille par un choix. Gen deux gens ka vin famille. Ou ka famille yon moun par le sang, ou bien ou ka vin famille yon moun par yon choix. Est-ce qu'on avait même? Est-ce qu'on avait ça m'a dit là? Ok, maintenant, ça me dit par yon choix. Dans le mariage, moun ou marié avec là, li pa famille ou par le sang. Est-ce qu'on avait même?
Est-ce qu'on avait même? Mon nous marie avec par femme ou par le sang. Frère ou femme ou par le sang. Soeur ou femme ou par le sang. Papa ou femme ou par le sang. Maman ou femme ou par le sang. Mais mon nous marie avec par femme ou par sang. Les familles ou qui ça par un choix. Donc, un jour, je marchais et puis je tombais sur Mounsa, qui était totalement étranger pour moi. Et puis Mounsa, il attire l'attention et puis il touche comme. Et puis nous commençons à parler. Et puis nous venons amis. Et puis nous venons remettre. Et puis je arrive à côté. Et puis je dis, je décide. Est-ce qu'on suit moi là? Je décide de faire vivre ma vie. C'est un choix. Est-ce qu'on avait? Et le mari avec Mounsa, je viens une famille avec Mounsa. Je ne suis pas une famille par le sang, je viens une famille par choix. Donc Naomi a plaidé parler du fait que petite li mouri. Ça veut dire pas une relation de sang encore. Mais oui, tu as essayé de faire comprendre. Même si pas une relation de sang, même qu'a choisi famille. Ah, vous attendez ça, Mamdou là. Même si Marie mourit, même si je ne suis pas belle soeur encore par le sang, même si pas belle soeur encore, pas belle même encore par le sang, même si nous n'avons pas de relation de sang, ça, je ne choisi famille. Ah, et je dis à moi, choisi pour m'attacher ma belle, quel que soit quand on bralé, je bralé avant parce que ça réléon, choix. Levez-moi les dix gloire. Maintenant, choix, Jean Aurélien, lorsque yon moun fait yon choix formel, yon l'autre nom pour le choix, c'est l'alliance. C'est alliance. Yon choix, yon alliance, c'est yon choix formel. Yon alliance, c'est yon agreement entre nous-mêmes. C'est yon accord. C'est moi-même avant nous mettons d'accord sur yon bagage. Yon alliance, c'est yon disons. Yon alliance, c'est yon entente. Yon alliance, c'est yon choix. Nous tous les deux faits pour nous vivre ensemble. Donc, les dimanches, nous ne doit pas famille par le sang, mais nous famille par choix. Nous famille par alliance, nous famille par entente, nous famille par disons, à partir du jour du map qu'on disons avec eux, quel que soit quand on bralé, c'est la m'bralé, quel que soit quand on dormi, c'est quoi, aïe, peuple ou agé pour le vin, peuple moins, bon Dieu là, c'est bon Dieu pas, quel que soit quand on enterré, c'est là, moi fais un choix, je dis, pour me famille. Ah, on va pas donner ça, mamzolo. Si vous comprenez ça, me dit, a dit gloire. Donc, il dit, mamzelle, puis il repousse. Il dit, puis il shoote. Il dit, puis il voye malade. Puis il dit, retourne la caille. Puis il dit, pas de relation encore. Puis il dit, nous pas connecté encore. Même si nous pas de relation de sang qui existe encore. Mais je dis, je choisis comme famille. Et plus tard, moi vais l'expliquer ça. Il y a deux gens qui ont une famille. Ou qui ont une famille par le sang, ou bien qui ont une famille par alliance. Ça veut dire un choix solennel. Ou qui ont une famille par le sang, ou bien qui ont une famille par l'alliance. L'alliance est plus fort parce que le sang. Mal reprendre, il y a deux gens qui ont une famille. Ou qui ont une famille par le sang, ou bien qui ont une famille par alliance. Maintenant, deux choix, ça y est, alliance, là, il est plus fort parce que sang. Choix, il est plus fort parce que sang. Ça fait nous ça, parce que la Bible dit, dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père, relation de sang. L'homme quittera son père, relation de sang. Il quittera sa mère, relation de sang, il s'attachera à sa femme, relation d'alliance, relation de choix, et avec qui est-ce qu'il va venir une seule chair, ça le fait choix, ça le fait alliance avec elle, la détacher de chanson, et puis la connecter là avec. Ah! Ouais, ça veut dire, moi, ma voix. Nous pas besoin de faire dans la même famille pour nos familles. Nous pas besoin de sortir dans le même papa pour nos familles. Nous pas besoin de sortir dans la même maman pour nos familles. Nous pas besoin de sortir dans le même pays pour nos familles. Nous pas besoin de sortir même dans la zone. Nous avons choisi frère, nous avons choisi soeur, et l'aime vient converti, c'est pas une relation de sang. Le vient converti, son relation d'alliance. Moi, choisi pour me faire partie du corps de Christ, me choisis. Ah, levez-moi à l'aide de gloire. Alliance, plus fort, passé sang. Et ça fait l'homme ou marié qui quitte sang pour le cas unil avec le monde de l'alliance. Il dit Naomi, je dis à m'attacher avec vous. Je fais alliance avec vous. Me font choix.
Chers amis, son gros bagage. Ça veut dire, vivre en famille, c'est un choix. Oh, on go back à Abdullah. Vivre en famille, son choix. Femme ou faites là-dedans. Faites dans une famille, car entre guillemets, un accident. Ou pas choisi pour là, ou juste ou fait dans la famille. Faites dans la famille son accident. Vivre en famille son choix. Oh, ma prépare, oui. Ma prépare encore, ma prépare. Faites dans la famille son accident. Vivre en famille, c'est un choix. Donc, si vous comprenez ça, ma dit là, il est possible que yon moun fait dans yon famille et puis il pas jamais fait partie de famille. Oui? Ou qu'a fait dans la famille, mon pas jamais fait partie de famille. Ça fait ça. Parce qu'on pas jamais choisi pour dans la famille. Ou pas me choisir, ou juste un monde qui l'a. Ou juste un monde qui l'a. Ou qu'a fait, non. Ou qu'a né de nouveau dans une famille spirituelle qui ont l'église et pour pas faire partie de cette famille spirituelle. Ou qu'a fait dans une communauté et pour pas faire partie de communauté. Ou qu'a fait dans un pays et pour pas faire partie de pays. Ça fait ça parce que, ou pour, à un moment donné dans la vie, ou pas jamais fait un choix. Pour pas faire un choix. Pour membre dans une famille, dans une église, dans une communauté, dans une nation, faut faire un choix. Quand l'arrivé, c'est pour dire ça, c'est famille, pam. Ça, c'est l'église, pam. Ça, c'est communauté, pam. Ça, c'est pays, pam. Faut faire choix. Sous pas faire, ou pas jamais vivre tant qu'une famille. À un moment donné, c'est pour dire c'est ma famille, c'est mon église, c'est ma communauté, c'est mon pays, c'est ma nation. Faut faire choix. Même j'ai avec vous, go moment, faut faire choix. Donc, des familles, mon avis là-dedans, yo, sont pas qu'être étrangers, qu'ap vivre en bas même, qu'ap vivre dans même caille. Sont pas qu'être étrangers qui vivent dans le même bâtiment. On pas qu'être étrangers qui vivent dans la même chambre. Quelquefois, il doit y deux étrangers couchés sous la même cabane. Mais ils pas jamais fait choix pour yo vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est un choix. Li pas passé pour compte lui. Li pas fait pour compte lui. Li pas automatique. Li pas un accident. Son décision pour prendre. Oh là là, là 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 là. Son décision pour prendre. Son décision. Moi, décider de vivre dans la famille ça. Moi, décider de faire partie de l'église ça. Moi, décider d'œuvrer dans la communauté ça. Moi, décider de travailler dans le pays. Moi, décider de connecter avec le peuple. Si vous pas fait choix ça ou pas là-dedans. Donc, attendez ça. Vivre en famille, c'est un choix. Son choix. Ruth dit. Jodi a, me fait choix ça. Me fait choix, me choisi pour vivre avec comme famille. Par contre, si nous comprenons profondeur ça qu'a dit là. Me choisi en d'cœur pour me vivre avec comme famille. Peu importe ça qui passe dans la vie. Parce que si vous pas fait choix ça, des problèmes qui viennent qui faut give up. Des difficultés qui viennent qui faut quitter ça. Des têtes chargées qui viennent qui faut quitter ça. Gen discussion qu'a gagné, gen mécompréhension qu'a gagné, ou a dit qu'on ça m'a blagué ça, faut faire choix pour vivre dans famille. Faut faire choix pour vivre en famille. Faut faire choix pour vivre dans mariage. Moi choisi vivre avec comme mari, moi choisi vivre avec comme madame moi, c'est pas parce qu'on parfait, c'est pas parce que tout bagarre aller bien, c'est pas parce que pas de problème, c'est pas parce que pas de difficulté, c'est pas parce que nécessairement on toujours fidèle, c'est pas parce que nécessairement on toujours payé bill, c'est pas parce que nécessairement toujours là, même fait un choix. Oh Seigneur, que bon Dieu aide nous, que bon Dieu aide nous, que bon Dieu aide nous, que bon Dieu. Ces jours-ci, nous gain émotion. Dans la famille, mais nous pas gain décision, nous gain émotion, mais nous pas gain choix, parce que nous non génération qui pas comprendre alliance. Nous gon génération qui pas comprendre alliance. Nous songe une fois, m'a parlé avec un frère africain, me rencontrer avec elle, et puis nous t'ai fait commencer à rencontrer, et puis n'a parlé, etc., etc., etc. Et puis me dit et puis pendant la parler, me dit monsieur mon cher, c'est une grâce que bon Dieu ba nous amitié ça. Et puis monsieur répond moi un bagage que me pas jamais oublier. Il dit me pas croire dans amitié. Me croire dans alliance. Il dit me pas croire dans amitié, me croire dans alliance.
parce que le dit amitié couba gayon ti gens difficile quelque vent souffler et pour bail vague etc. Mais alliance difficulté alliance pas dépend de émotion, alliance c'est un devoir. Pas d'émotion dans alliance, pas d'émotion dans alliance. Alliance c'est un devoir. Donc l'homme vini par exemple, on nous dit comme ça, petit ou vini et puis l'al marié, il décide prendre jeune fille et puis il marié avec elle, à avec elle et puis jeune fille vient porter kounia, c'est ta belle-fille. C'est ta belle-fille, mais maintenant, c'est pas où que choisi belle-fille hein? Si ou t'as choisi ou pas t'as choisi belle fille ça c'est pas cool les soins t'as choisi c'est pas hôtesse t'as choisi c'est pas non. Mais du moment de marier avec le Kounia alliance c'est ta belle fille mettez toute émotion de côté. Oh là 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 mettez toute émotion de côté. Go alliance qui fait là ou pas qu'à traiter n'importe comme n'importe qui parce que c'est ta belle fille même sous Paris même Boanel respectez alliance. Respectez alliance là, c'est ta belle fille. Respectez alliance, pas d'émotion là, baba. Son alliance. L'envie nous marier avec un jeune garçon, pas qu'on est qui, est-ce maman, Libye, etc., etc. Ou t'es remé avec l'issue, t'es remé belle machine, t'as poulet, BMW, etc., etc. L'idée qu'on parle de maman, mon pas de jambes, maman, et puis qu'on est après 17 ans, et puis maman débarque dans Miami. Et puis c'est laisse au balouer grand monde qui a toute qualité de défaut, mais quel que soit son pensée de grand monde, ou besoin de respecter, oublier émotion de côté, car c'est une alliance. Alliance, alliance, c'est pas amitié là, c'est pas émotion, c'est alliance. Alliance, pas d'émotion là-dedans. Alliance signifie décision formelle. Alliance signifie entente, disons, alliance signifie contrat. Alliance signifie contrat. L'on loue, à louer un kay ou signer un contrat. Dans la Bible, on t'appelle ça une alliance. Ça veut dire nous gont disons, nous gont entente. Ou pas qu'arriver par être sous propriétaire kay là et puis etc. Monsieur dit comme ça pour qu'ils soient pas payés. Les bouts disent I don't feel like it. Ou comprenez moi ou pas qu'elle dit propriétaire Kaila, l'aime te fait entrer dans Kaila, m'te d'amour Kaila, m'te remè Kaila, but now I am out of love with the house Mbappé. Non. Ou pas qu'elle dit propriétaire, you out of love, là tu crois ça mette love sous côté, calme la jambe. Calme la jambe. Ou qu'on alliance avec, ou qu'on contrat avec, ou qu'on tison avec, ou qu'on promesse que nous te fait entre nous deux, calme la jambe. Est-ce que tu as fait love ou pas? Payez-moi l'argent. Parce que nous alliance. Génération, ça n'a pas compris l'alliance. Amen. Et m'bral, comme ça, nous pas qu'à fonctionner tant qu'on famille, tout autant ne pas comprendre l'alliance. Nous, qu'on génération, comprend l'émotion, mais elle pas comprendre l'alliance. Alliance, c'est un bagage qu'on fait par devoir. Ou te baillons mot. Ou te fait une promesse, nous te prenons une décision, nous te disons, mais ça nous t'a fait. Peu importe, nous devons respecter les termes de l'alliance. C'est un devoir. Et mariage crasé ces jours-ci parce que nous ne comprenons pas l'alliance encore. Nous ne comprenons pas l'alliance. Américain bien sérieux dans figure, il dit, I'm out of love. Ça veut dire, m'te d'amour, monsieur, m'pa d'amour, monsieur, encore. Et puis ça, c'est assez de raison pour mon nationale qui ton mariage. Mais lors t'es campé devant pasteur, devant famille ou devant la société, ou t'es fait une alliance. Ou t'es fait une promesse solennelle dans la figure tout le monde. Dans la santé ou dans la maladie, quand y'a malade, mal cherchons l'autre monde. Dans la richesse ou dans la pauvreté, qu'on n'a pas gagné l'argent, by vag. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucune compréhension de sa yon alliance. Et une communauté qui ne comprend pas l'alliance, ça veut dire, ciment qui kembe yo son ciment mélangé. Son ciment qui corrompu.
son ciment qui pas kembe, son ciment mélangé. Donc famille en mettre bâti, il va tomber rapide parce que le pas gen ciment. Ciment pas bon. On moun pas ka bâti yon famille sous ciment émotion. Ou pas ka bâti son mariage sous ciment émotion. M'damou jodi am pa d'amour de même d'amour badabara. Jodi am jwenn l'autre m'damou kouni après ça m'pa d'amour encore mal chercher un troisième moun d'amour etc. Un mariage pas ka bâti sous ciment émotion. Il pas ka bâti sous feeling. Il doit être bâti sous une promesse solennelle. Me fait devant bon Dieu, devant la société et à tête moi et m'a kembe promesse moi peu importe. Des faits promesses là, moi te dis. Li faut un homme, li faut une femme devant bon Dieu, devant la société, devant tête. Rudi, jodi a, me font alliance avec. Me font une promesse solennelle. Me gon entente avec. M'gon disons avec, koto brale, moi brale. Koto dormi, m'a dormi. Bon peuple ou a gen pour le peuple, moi bon Dieu pa ou la, gen pour le bon Dieu pa, et koto mouri, moi gen pour mouri. Et si m'ta pas respecté alliance, que bon Dieu frappe de toute sa rigueur, si m'ta quitte yon bagay vini. Et puis pour ne pas respecter les paroles que je prononce là, ça a une alliance. Et puis la Bible dit, les Naomi tant de mamzelle dit ça, il t'a plaidé pour ces mamzelles pour la laka. Et puis mamzelle fait mes bouches. Parce que les paroles, ça sont gros paroles. Je vais entrer dans le détail des paroles avant semaine prochaine, Dieu voulant. Mais, paroles, ça, c'est l'Igbral fait. Du peuple d'Israël, yon nation. C'est parole ça que va faire le peuple d'Israël, yon nation plus tard. Parce que le peuple d'Israël entré en Canaan, Israël, yon te yon peuple. Le yon entré en Égypte, yon te yon famille. Pendant yon rive en Égypte, yon multiplié, yon surmultiplié, yon vin tout yon peuple. Yon peuple de plus de à peu près 2 à 3 millions de personnes. Le yon entré dans la terre promise, yon peuple toujours. Yon peuple toujours. Yon entré comme 12 tribus. Le yon vive avec mentalité de peuple. Le yon entré sous Josué, après Josué, ou gen Josué, juge, Ruth. Le yon entré dans Josué dans la terre promise, yon en peuple toujours. Le yon arrivé dans le livre des juges. Juge, yon vive tant que peuple toujours, malgré yon en terre là. Il y a vivre comme peuple toujours. Les rivés dans 1 Samuel, Josué, juge, Ruth, 1 Samuel. En Josué, il y a peuple. Est-ce que vous avez juste après? Josué, il y a peuple. Juge, il y a peuple. Lorsque vous citez le livre des juges, vous appelez le livre des juges, vous dites comme ça, c'est l'histoire d'Haïti, vous appelez aujourd'hui. Kidnapping, tout le monde, couper le monde à manchette, guerre civile. Révolution, grand goût, bagarre, parce qu'il y a vivre tant que peuple. Dans le livre des juges, il y a vivre peuple. Dans le juge, il y a vivre tant que peuple. Dans 1 Samuel, il y a vivre une nation. Qui livre qui fait transition entre vivre comme peuple et vivre comme nation? Oui. Oui, va transformer le peuple d'Israël et puis il va faire la nation d'Israël. Et déclaration mamzelle fait là, c'est déclaration ça qu'elle fait yon nation parce que à partir de décision mamzelle bral fait là, qu'on y a bral marié à Boaz et puis yon bral bay petit li bral vin tourner David et puis David bral le premier roi d'Israël. Et c'est David pour la première fois qui bral prend yon pays qui divisé en 12 morceaux que les 12 tribus. Sous garder le livre des juges, Benjamin attaque telle tribu vinil, yo kidnappé tel monde bagabada. Yon pays divisé en 12 morceaux. David, c'est premier monde pour la première fois qui va prendre les 12 tribus, va réunir yo et puis va faire yo tourner yon nation. Yo pas yon nation avant ça. Yo te yon peuple divisé en 12 morceaux. David va faire tourner yon nation. Mais qui est-ce qui prend le maman, grand-mère David? C'est Ruth.
Et puis, elle commence ce bagage-là avec mariage et avec Boaz. Avec une déclaration qu'elle fait. Oh, quand on va aller me râler, quand on dormi, m'a dormi. Peuple ou bien pour le peuple. Et Dieu, on l'a, c'est Dieu pas maintenant. Et quand on mourir, il peut mourir. Son grande déclaration. Dimanche prochain, je vais entrer dans la déclaration. Parce que déclaration, ça montre comment transformer un peuple en nation. Mais il y a des gens qui demandent, mais ça, c'est pour louer avec une église. Je suis bien content de poser la question. Est-ce qu'on connaît l'église, c'est une nation? Est-ce qu'on connaît l'église, c'est une nation? Regardez pour qui ça la Bible dit dans 1 Pierre. Regardez dans 1 Pierre. Chapitre 2, verset 9. À nous toutes les ensemble. Est-ce que, à nous toutes les ensemble. Il dit, vous au contraire, vous êtes qui ça? Une race élue, un sacerdoce royal, une nation. Qui moun ki nation? Hein? Vous, l'église. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Un peuple acquis afin que vous n'annonciez les vertus, etc. etc. L'église. C'est une nation que lié. Excepté pas une nation normale, c'est une nation sainte. Une nation spéciale. Une nation à part aux yeux de Dieu. Une nation extraordinaire, mais c'est une nation néanmoins. L'église, c'est pas seulement une famille, c'est pas seulement une communauté. Une église est une nation. Mais tu yon église vin yon nation. Juste parce qu'on pa ket moun ki réuni non même place pa vle di yon nation. Donc ba m'explique qui ça yon nation ye. Ba m'explique et ça la bon non seulement pour l'église là pour nous comprendre ni. Mais pour tout pays d'Haïti tout moun kap tande. Ou besoin konn sa yon nation ye. Gen 4 mots que nous souvent utiliser de manière synonymique comme si yo te synonyme mais yo pas synonyme. Nous utilisons le mot peuple, pays, état, peuple, pays, l'état et nation. Nous utilisons le mot ça tant que ça signifie même bagaille. Mais ça ne signifie pas même bagaille du tout. Peuple, pays, l'état, nation. Ça ne signifie pas même bagaille. Bon, m'explique au chat. Numéro 1, il y a le peuple. Peuple signifie qui ça? Peuple, c'est un autre mot pour population. Peuple, c'est valer être humain qui exister dans un espace donné, dans un territoire. Donc, nous relisons ça le peuple. Où qu'a compté peuple là? Où qu'a compté il? Donc, où qu'a dit comme ça? Donc le peuple haïtien, mais qui valait moun qui constituait le peuple haïtien? Où qu'a dit 1 million, etc. 11 millions, etc. Qu'on y a presque 12 millions. Le peuple américain, c'est presque 330 millions. Où qu'a compté il? Est-ce qu'on avait même? Le peuple. Ce sont les êtres humains qui n'ont espace donné. Le pays, les différents du peuple. Le pays n'est pas le peuple. Le mot pays signifie terre. Hein? C'est un mot français qui signifie, sorti du latin, qui signifie terre. Dans le mot pays, vous avez le mot paysage. Donc le pays, c'est la terre. Le pays, c'est le territoire. Donc aux États-Unis, où qu'a dit le pays? L'on dit pays des États-Unis, on va parler de à peu près 9 millions à peu près kilomètres carrés. En Haïti, on va parler de 27 millions, 27 000 ou plus kilomètres carrés. Tu peux mesurer le pays. Tu peux dire le pays est borné à l'est par Mbakone, République Dominicaine, à l'ouest, il est borné par ça, au nord, il gagne ça, au sud, il gagne ça. Ça, c'est le pays. Le pays, c'est le territoire. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que ça va jusqu'à présent? OK. Donc, le peuple, ce sont les êtres humains. Le pays, c'est le territoire. Kounyage, l'État. L'État, ce sont les institutions qui permettent nous fonctionner de manière organisée. Ça, c'est l'État. L'État. Donc, il y a plusieurs branches. Vous comprenez, il y a un gouvernement, ou un législatif, pouvoir législatif qui fait des lois, et pour un judiciaire, n'est-ce pas, qui interprétait les lois, ou un exécutif qui exécutait les lois, etc. Dans l'État, tout, ou un département, ministère du commerce, ministère de la justice, ministère des finances, etc. L'État qui s'allie, c'est toute institution qui permet
eh bien que yon peuple, yon groupe de moun fonctionnait de manière organisée. Ça, c'est l'État. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que ça va jusqu'à présent? Mais yon nan sa yo pa nation. Yon nan sa yo pa nation. Le peuple n'est pas la nation. Le pays n'est pas la nation. L'État n'est pas la nation. Donc, moi, t'es du comme ça. Donc, qui ça? Le peuple, c'est Mounio. Mais ce n'est pas les mêmes qui nation. Hein? Le pays, c'est territoire là, mais ce n'est pas les nations. L'État, c'est institution yo, qui permet de nous fonctionner, mais ce n'est pas les nations. Qui ça, la nation yo? La nation, c'est le lien de fraternité qui existait entre nous, qui fait nous dire ça, c'est mon frère, ça, c'est ma soeur. La nation, c'est lien de fraternité, lien d'appartenance qui connectait nous yon ak l'autre. C'est ça que fait dans la Bible. Yon l'autre mot pour nation, c'est famille. Dans la Bible, yon l'autre mot pour nation, c'est famille. Bon, il faut garder deux versets. Gardez Genèse chapitre 12, verset 3. Le bon Dieu appelé Abraham, et puis il dit Abraham, que m'gè pou m'bénir, qui ça dit Abraham? Il dit Abraham, toutes les familles de la terre. Là, on a parlé de la terre. Qui ça nous parlait? Nous parlait des nations de la terre. Nous-mêmes, nous dit toutes les nations de la terre, mais l'Éternel dit lui-même, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, parce que dans les yeux, bon Dieu, une nation, c'est une famille. Gardez Amos chapitre 3. Gardez Amos chapitre 3, verset 2. On nous lit ensemble. Le bon Dieu a parlé avec Israël. Qui ça, Israël, t'es une nation. Mais là, il a parlé d'Israël. Est-ce que l'Israël est Israël en nation? Gardez qui ça le dit. Il dit Israël, je vous ai choisi seul parmi toutes les famille de la terre. Au lieu de dire parmi Israël, moi choisi ou parmi les nations de la terre, il dit me choisi ou parmi les familles de la terre. Parce que selon le plan de Dieu, yon nation supposée fonctionner comme yon grande famille. Donc, si vous comprenez ça, si vous expliquez là, ça veut dire ou comprendre clair problème pays d'Haïti. Si vous comprenez quatre mots, vous comprenez clair le problème du pays d'Haïti. Vous prenez nous compte, en Haïti, nous avons un peuple. En Haïti, nous avons un pays. Et de temps en temps, dépend de qui gouvernement capable de l'État, mais pas jamais gagner une nation. Haïti pas jamais une nation. Haïti pas jamais une nation. Non. Haïti beaucoup jamais une nation. Parce que depuis le commencement, vous regardez l'histoire de l'indépendance d'Haïti, frère haïtien. Pas jamais ouais l'autre monde qui côté là comme frère vrai. D'ailleurs, les pays d'Haïti commençaient où quand tu as trois classes monde. Où gagnent les blancs, où gagnent les mulattes et puis où gagnent les nègres. Est-ce qu'on t'a dit ça m'a dit là? Et puis youn ap goumen blanc, li gen droit en Haïti. Ah, li gen droit en Haïti depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans. On nous dit c'est blanc français lié ou bien blanc allemand lié ou bien blanc belge lié. Moun sa gen droit grand papa te fait en Haïti, papa te fait en Haïti, li même li fait en Haïti, li style considéré tête li comme français toujours. Papa m'a dit dans pays en 1870. Li considéré tête li haïtien seulement elle a fait commerce, elle pour parler créole, pour faire comme quoi bossal, mais elle rive en de la Cali, li sont l'autre monde, li pas considéré tête li comme haïtien. Li c'est français, li c'est allemand, li c'est belge, li c'est canadien, li c'est pas même si qui fait dans pays, il parle créole tant qu'on rap. Mais pas jamais considéré tête li pas jamais considéré tête li comme haïtien. Aux États-Unis, yon français qui gagne trois générations la vive dans le pays, petit ou français, petit ou français, l'arrivée dans la troisième génération, on va considérer comme français encore ou considérer comme américain. En Haïti, depuis au commencement, ou gagne blanc, yon met fait génération, ça y est, les blancs haïtiens, pas considérés tel comme haïtiens. Kounia après blanc kounia ça y baga depuis l'indépendance oui qu'a continue là kounia lovin tourner kounia nan mulat là et mulat là lui même li confuse M-
Parce que blanc pas d'accord comme blanc, l'île pas d'accord tête comme noir. Blanc pas d'accord comme blanc, l'île pas d'accord comme noir. Conseil de monde en Haïti. Les yo paraît devant en Haïti yo considéré comme blanc comme n'ta même l'ovin ou pas considéré comme noir. L'arrivé bon ici, n'ta même mon filon application. Et puis n'ta même compte soit mes application, mettez blanc. Parce qu'on compte couler. Al mettez blanc sur application américaine, maman. Mettez blanc. Qui soit mettez sur application parce qu'on compte couler, qu'on cherche si haut. Soit mettez. Debout que ça noir, c'est noir. Oh monsieur, mes messages là, parti là. Amoué, ça va pas dire, monsieur, amoué. So blanc pas considéré comme haïtien, moun ki mi lat la même pas contre salier, pas contre s'il blanc, il noir et noir lui-même pas d'accord vivre avec l'autre noir parce que noir dit depuis nan Guinée, nègre inèg chaque coucou clairé pour j'parle, chien qui gagne zo pas gagne zami, li gon paquet bagage doit la semble dit noir pas d'accord vivre noir. Donc depuis Haïti gagne indépendance li, c'est contre salier, gon gou blanc, gon gou milad, gon gou noir et puis youn d'accord avec l'autre, nous pas jamais une nation ni ton pays pendant longtemps. Nous avons territoire, mais nous avons peuple, mais nous pas jamais nation. Nous pas jamais nation. Nous pas jamais connecté une avec l'autre. C'est l'un connecté une avec l'autre. Quelle que soit couleur ou gagné, quel que soit l'argent ou gagné, quel que soit origine ou gagné, quel que soit quand on sorti, nous c'est l'un. C'est sens de fraternité ça qui fait une nation. Si vous n'avez pas sens de fraternité, ça va une nation. C'est sens de fraternité. Sens de famille qui fait une nation. Qui couleur un Américain? Est-ce qu'un Américain a une couleur? Parlez-moi qui couleur Américain. Qui couleur Américain? Qui culture américaine, qui héritage américain, gamékin qui noir, gamékin qui blanc, gamékin qui chinois, gamékin qui baka, qui couleur américain. Parce que même blanc ou t'as relé ici, blanc européen, etc., techniquement sont immigrants. Qui couleur américain? Les États-Unis sont pas qu'être immigrants qui formel, mais ils ont un sens de fraternité. Lorsque 9 septembre passé, qui est-ce que nous parlé avec la semaine dernière, nous avons parlé même avec Val, nous avons parlé. Lorsque 9 septembre, 11 septembre passé, tout Américain sous goumé, Américain blanc sous goumé, Américain noir sous goumé, et Américain indien sous goumé, Américain arabe sous goumé, tout Américain fâché, tout le monde voulait aller dans la guerre, que le t'es noir, que le t'es blanc, que le t'es indien, que le t'es arabe, tout pays a levé campé d'une seule voix parce que y a son nation. Yon peuple vin yon nation. Yon peuple vin yon nation. Le développer yon sens de fraternité. Et vous connaissez ça, chers amis, ça la Bible dit? La Bible dit, à l'église, vous êtes une nation sainte. Vous connaissez ça, ça veut dire? Ça veut dire l'église doit être un modèle de la nation ou bien doit être un modèle d'une nation pour la nation. Ma bouche dit ça me dit. La Bible dit vous êtes une nation sainte. Ça veut dire l'église doit être un modèle de la nation pour la nation. Si y a préjugé dans le monde, c'est pour y'a pas ta ouel l'église.
si gen préjugé de couleur, préjugé d'éducation, préjugé diplôme, préjugé ça, si gen division dans le monde, une raï l'autre dans le monde, c'est pour yota et pour les nations de la terre, t'as gardé l'église et puis pour yo dit mais comment yo bâti yon nation, mais comment yon peur vinn yon nation. Les yeux du monde t'a doué ouvert sur l'église. Les yeux pays d'Haïti t'a doué ouvert sur l'église. Les yeux la France t'a doué ouvert sur l'église. Les yeux l'Espagne t'a doué ouvert sur l'église. Ah, les yeux République Dominicaine t'a doué ouvert sur l'église. Les yeux l'Allemagne. L'église doit être un modèle de nation pour les nations du monde. Et secret pour yon peuple vin tourner yon nation. Nous joignons la déclaration de Ruth. Koto brale m'brale. Koto dormi m'abdomi. Peuple wa c'est peuple moi. Bon Dieu là c'est bon Dieu moi. Koto mouri m'ap moi. Et que bon Dieu frappe m'da toute sa rigueur. Si m'ba da respecte ça. Semaine prochaine nous brale gade phrase ça. Parce que ces paroles ça transforme yon peuple. En yon nation. Veux comme c'est tabernacle de gloire pour tabernacle de gloire par yon peuple. Seulement que bon Dieu fait nous yon nation. Yon groupe de monde qui organise et qui remet yon l'autre. Yon groupe de monde qui organise qui loyal yon ak l'autre. Yon moun de groupe de monde qui organise qui défend yon l'autre. L'homme yon yon moun nan tabernak de gloire pour sentou man yon paquet milliers de moun. Parce que nous pas seulement yon peuple, nous se yon famille, nous se yon nation sainte. Hallelujah.